Capitaine 87, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo où je parlais, donc là, je tiens à en faire une donc sur Clash Royale. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez voir que j'ai changé mon pseudo, je l'ai mis en rouge, donc voilà. Je vous montrerai comment faire plus tard. Mais pour l'instant, je vais vous montrer des gameplays et je vais les commenter. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas lequel encore, parce que pareil, j'ai rien préparé. Donc, celui-là, c'est parti. Donc là, en fait, j'ai changé de composition, parce que j'ai réussi à débloquer le miroir dans un medical chest. Mais là, j'ai changé de compo, j'ai pris... En fait, j'ai pris géant, et j'ai pris plein de groupes, en fait. Donc voilà. Donc là, le gars il m'envoie bonne chance et tout, donc easy. Donc là, vous voyez, il a posé sa sorcière, posé ballon, mais ça me pose pas trop de problème. Il a posé son prince aussi. C'est plus ça qui va me faire chier en fait. Donc là, j'ai posé les gobelins, je l'ai niqué. Donc voilà. Et regardez, son géant squelette est mort. À moi de lancer l'offensive en fait. Donc là au début je savais pas trop ce qu'il avait comme carte, donc j'ai pas trop contré. Donc là il a remis ballon. Sans succès. Donc là j'ai vu qu'il avait mis son prince à gauche, donc je l'ai tout de suite arrêté. Donc là vous pouvez voir mon ancien pseudo, donc il était blanc. Je me suis renommé en YOLO en fait. Parce que du coup quand je l'ai renommé en rouge, parce que fallait faire des manips pour le mettre en rouge, ben je pouvais pas mettre plus de 6 caractères, donc voilà, je me suis appelé YOLO comme ça. Donc là, la fin désastreuse de ce petit Kikou, voilà. Donc, ce que je propose, c'est une petite attaque. Ah merde, on peut pas rejoindre. D'accord. Bon, on va attendre un petit peu, c'est pas grave. Si dans 2-3 secondes c'est pas lancé. Donc là vous pouvez voir, hein, pareil, on peut changer les. Oh, l'écriture, il y en a. Hop. Donc voilà, et les pseudos aussi de quelques-uns sont. Putain, mais c'est bizarre qu'on puisse pas. J'ai pas trop envie de faire une attaque au cas où je me fail, mais je vais être obligé, donc voilà, c'est parti. Je tombe contre un level 7. Donc si je me fail, hein, ça sera quand même dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais quand même mettre. Donc voilà. Ok, très bien. Là, je vais poser mon géant, mes garlouilles. Ok, il a posé ses barbares. On va le laisser me péter, c'est pas bien grave. Poser ça. En fait, je m'occupe pas trop de la tour de gauche pour l'instant parce que c'est des dégâts minorés, mais il va bien falloir que je m'en occupe un moment. Donc là, voilà. T'as voulu faire ton malin, tiens. Prends-toi ça. Donc là, j'ai eu la chance de péter son baby dragon en fait. Parce que il avait plus beaucoup de vie, putain, et il repose. Il va falloir que je défende un peu quand même. Alors, le géant, c'est parti. Il va faire peut-être le même truc qu'il est tout à l'heure. Voilà, il va reposer ses barbares. Donc voilà, mon géant commence à taper, c'est parfait. Bon, ben nickel, j'ai sa tour. Ok, il reste 14, c'est pas bien grave. Ok, il pose. De ça là, son Orgwady, son chevaucheur, c'est bien joué. Voilà, une flèche, c'était réglé. Oups, merde, pas fait gaffe, tiens dans ta gueule, connard.
Bon, ben maintenant, on va défendre. Je vais mettre un petit coup de pression ici. Putain, bien joué, il a posé les barbares, ce con. Et voilà, dans ta gueule. Alors, croyez quoi, hein? On va pas trop le laisser rentrer dans notre zone. Putain, il a posé son chevaucheur de mes couilles. Tiens, regarde. Il te plaît, mon chevaucheur? Il te plaît, te plaisent mes gobelins? Donc voilà, je pense que c'est la triste fin de ce Kikoulol. Donc, encore un petit troll, pas mal. Vous voyez, bon là j'attaque un peu à la YOLO, je veux pas trop me vanter, mais ce que je veux dire c'est que là je fais pas trop gaffe parce que du coup c'est un peu le direct, j'essaie de faire attention à ce que je dis. Mais cette compo marche très bien si vous voulez, après je vous la montre. Donc voilà, bon là j'aurais eu encore sa tour. De toute façon rien qu'en défendant. Donc hop, on va te donner. Parce que t'es sage. Voilà, c'est ça. Donc regardez, screenez là si vous voulez la refaire. Donc ça marche très très bien. Après j'en ai une autre, mais depuis qu'ils ont patché la Tesla, non je l'ai enlevé. Voilà, regardez, miroir ce que je vous disais. Depuis qu'ils ont patché la Tesla, j'utilise plus en fait. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit com. Et puis, je vous dis à la prochaine.